Ma Mission TV, le miroir du monde. Après ma mise en garde, ma ultimatum, y a ndenge na ndenge, ma pesa na ba M23, y sa la nango ata ilo romorote, réaction pe ya gouvernement, to pe ya EAC, y sa la ilo kouti. Malgré ma processus, y a Nairobi na Luanda, rien toujours, insécurité ezali kaka koko bana tout étendue ya République démocratique du Congo. Présence y a ba force régionale na Est ya République démocratique du Congo, y e bana raté, moussa na bango, ils ont la randine. Tu es bien sûr qu'il y a un bango tourisme na Est. Pour na rokanga ba photo, na rosalara ba vidéo, na ba place historique, topé na ba place mystère. Oyo ezalara na RDC. Koutou bon monaki, ma kamwe salemaki, moukolo ya dimanche 15 janvier 2023, oyo na kasindi, ndenge ba betegi bombe na église à plein culte, oyo ekozaki, plus de 12 morts moukoka na ba blessé et belé, ba perte ya matériel koutou, kolobate. Jusque là, gouvernement n'a pas identifié ba coupable été, kaka militaire Kenya Mokonde ba simbié comme. Donc, pays est comme une insécurité totale, n'étendi, ya RDC. Place à retirer le kololisusu, ezalite. Et si la route ya rokime là, on dirait comme une kaka, pays ba voisin. Pour ceux qui va lobi ba ki makuna, ba ye ba kake, ceux qui to komi 21, 21, on a PR ya kuluna, et kouki. Donc, pas na pasi. Kasi koka mwalelo, ministre des Affaires étrangères Lutundula a signé communiqué officiel moko pona wolobabui. Que République démocratique du Congo basu acte, y a non-respect, y a cessé les faits, oyo EAC, communauté internationale, Union européenne, ba pesara na ba M23, na nenge ba sengara na Rwanda, yelo mwana sima ya ba M23, kasi ezali na yango, respecté te. Na yango, gouvernement congolais, epesi na ba M23, na Rwanda, dernière mise à garde, ce qui va cesser le fait est, tout oyo, bah, comment on a vraiment ma monambwa. Donc, armement jusqu'au dents. A signaler déjà, la communauté internationale, Union européenne, communauté des États d'Afrique de l'Est, région y'a Grand Lac, n'a pas partenaire nion sur bilatéraux, bah, après ça déjà, Rwanda n'a pas dirigé, bah, M23, bah, sanction, avant ma bé, écoute. Pour RDC, Azali Boumbu na bangote, Azali pe, bayuma na bangote. Yango biso totunika kamotuna, bazape, bayuma na bangote. Kaka tango communiqué o ezala ki signé pe baranda ki yango public, boye ba ke, ba M23 na ba groupes armés nions te zarana est ya République démocratique du Congo, ba la ou kinde, on irait ba bameli potion magique, moyen koutou ya ko maîtriser bango, ezalite. Kaka lelo, ba kendagi penal inde inde, tina site o ba tiaki ba déplacé, ya ba village topé ba ville, Oyo M23 azali ko okipe pour que gouvernement ezwa soin na bango ba M23 ba yaki ko atake ndenge tozolo baboye ezali nde somo yango biso totunika ka motuna est-ce que cette fois-ci ba M23 ba koyoka mise en garde oyo pe ba kotosa yebi kaka bango e bongo bongo balinga ki kosoma minduki na risu pour na ko renforcer armée na biso e kenda wapi. Parce que, bah, l'ongola déjà, bah, mesure, il y a notification d'armes pour la République démocratique du Congo. Oh, et comment qui n'ango, raison, il y a mi-colonial sont pour le gouvernement. Car si depuis peu, l'ongoué, attend Mundu qui a joué ton monité. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bah, parti politique, il y a Mwanza Pé, il y a Djalelo, et là, là, Ah, si politique, il y a pas ça, et télémapé, et télémissi, bah, congolais. Lundi 16 janvier 2023, na 15h, jour na heure prévu pour la réunion stratégique. Il y a mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Pas ça, na mokuse, oh, yue kambamaka, et pas yaye moko, le président national. Maître Dodo Lutombo Issan Dalikofi, bah, congolais, PA du chef, le conseiller lointain et chef de l'État, le secrétaire général Jean-Louis Massimango, oh, yo, bazala qui n'a pointe. Baka, Il y a parti, bah, répondant qui est présent dans le restaurant et hôtel La Grâce. Na commune ya Bandalungwa cadre moko idéal pour na kosola masolo yambo. Lokola etomba ki le 16 janvier ba profita ki mbala moko kosolo la penda ba point négatif pe ba point positif ya Mouzé Laurent Désiré Kabila surtout na idéologie topé na logique ya ne jamais trahi le Congo. Deux grandes lignes ezala ki na table ya liboso ezala ki évaluation sur marche ya parti diront 5 ans F mandat Félix Antoine Tshisekedi. Deuxième, il y a qui n'est qu'aux alabas préparatifs, il y a banjés électoraux, parce que année 2023, et Zali année à l'élection pour la République démocratique du Congo. Le parti a un caractère national.
et qu'aujourd'hui c'est une fierté pour nous parce que nous travaillons déjà dans plusieurs provinces. Et que dans ma province, on a besoin d'un bateau, au bazali pour exprimer ma mission. Mais particulièrement la réunion d'abord d'aujourd'hui, qui concerne la ville province de Kinshasa comme capitale siège à ma institution. Nasima Yanyonso, Baya Kibongo, Koleka na séance. Il y a question-réponse parce que démocratie, la liberté d'expression, ils ont rendu mon de vue, il n'y a pas ça. Parce que nous avons 2007, Après avoir échangé la stratégie, balobelaki, bayaki koleka na science photo, bon limelanga, et zalaki penza, somo. Ah oui, oyo pa sa sali, et la kisi penza ke na 2023, ben élection kozalope si mwa mwa boite ma suyo, po model pa sa zago bongama, et kozala penza somo. Bino moko, bota landenge bafandi autour ya table na ba projet de société Elena oyue komemela ba congolais changement. Yamboete na kota na mozindo ya motuna na yo tika nano na rappelé bana mboka tozali ko lekisana yo interview a lelo nous sommes le 16 janvier. Et toyebi date a lelo ezali date historique. Oyo tobongisa moko ya baye babunda pour que mboka na biso e retrouver démocratie nango. À partir de la gestion à 32 ans, il y a Papa Kondo Maréchal, Musée Aye Kokota na Bokonji, par le canal Afdel. Mais malheureusement, na date ya lelo ba dongolomi so ya mabe, ba yeba ki na kobomaye, une action qu'on a condamnée à l'époque, un acte barbare et lâche. Mais il faut aussi rappeler à notre peuple, lobi peut-être commémorer ya Oyo, Azali pionnier, il y a indépendance au Tozoana Mboka Congo, de Konabiso Lumumba, mais malheureusement, Mboka Nabiso Azali a traversé une période un peu critique, dans l'Italie, aspect sécuritaire. Voilà pourquoi je m'en vais envoyer un message de compassion à nos compatriotes de Kassindi, à Beni, qui ont perdu la vie par un acte barbare et lâche du terrorisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut transformer la République démocratique du Congo en Palestine. Mais l'hospitalité légendaire, l'amour de la patrie que nous avons, nous les Congolais, la pratique du terrorisme n'est pas propre à nous. Donc nous condamnons ça fermement. Et c'est une manière d'interpeller aussi notre gouvernement pour que Mutuna Mutuaye Bakozwa responsabilité naye vis-à-vis la protection du peuple. Et je remercie d'abord les camarades du parti que vous voyez ici autour de moi qui ont répondu massivement pour que Toya Kukutana to Sangana, Tomeka Kosolo, la marche à partir de son passa, Oye Kambami na camarade, Maître Dodo Lutombo Isanda, Oye Asila qui kope sa ba grande orientation, Oye Sengeli to tient en pratique parce que nous savons que nous sommes dans une année électorale. Et on ne peut pas organiser des élections sans qu'il y ait des étapes. Et nous sommes dans l'étape, il y a enrôlement. Donc, tout sengi na baimboka nyoso ya Congo. Tout sengi na baimboka engomba kisasa, bakende ko s'enrôler. N'écoutons pas les mauvaises langues qui pensent qu'il ne faut pas aller s'enrôler, mais qui demandent qu'il y ait des élections. Quelque part, c'est contradictoire. Je crois que m'passe ezali na logique et à respect à constitution et que baye bazali ko kamba biso lelo ba kota na bokonzi ba kokokisa mbula mitano na 2023 toza déjà nango et mokonzi ya mboka alembaka kolobate qui va respecter la constitution et nous croyons à sa parole parce que il n'a pas une autre voie de sortie que de respecter la constitution. Voilà pourquoi nous préparons. Nous demandons à nos membres d'aller s'enrôler et moi-même j'ai déjà servi d'exemple et j'aimerais aussi annoncer ici officiellement le président du parti Maître Dodo Lutombo Isanda va se déplacer pour aller dans son fief et aussi de l'Est de la République parce que vous savez c'est un président national mais il aimerait aller s'enrôler. Na bande konabiso ya Est et sika bitumbezali batubazali kokufa pona bozo bato bonyama ya badongolo miso ya mabe o bazala kasima ya balkanisation par entremise ya oyo tozali kobenga lelo héritier à Hitler na niveau ya Afrique centrale qui s'appelle Paul Kagame et je crois
la mobilisation générale de notre peuple doit faire en sorte que nous puissions barrer la route à cette aventure de mauvais goût qui a été condamnée depuis l'avènement et l'indépendance. Parce que vous savez, Lumumba est mort pour une cause noble. Mobutu aussi s'est bâti malgré tout ce qu'on lui reproche, mais il est resté le symbole de l'unité nationale. Et Musée aussi, avant sa mort, nous a bien dit, nous devons nous prendre en charge, ne jamais trahir le Congo, tout en annonçant que la guerre retournera là où elle est venue. Et je crois qu'il est temps que nous puissions mettre fin à cette aventure. Et j'annonce ici à nos compatriotes qui croient à notre combat à niveau Mpassa, je suis erré. Na engagement ya ba camarades nanga nyoso bomoni bazali sima nangai na kanisi na 2023 nous allons fêter la victoire ya bison passa parce que nous aurons la confiance du peuple et je crois à période de campagne électorale nano bandité mais nous pouvons avoir le courage de le dire tout haut que lelo oyo na mitema ya baimboka bayi Congo Mpassa ezali na place nango et que la victoire est certaine na 2023 tout en sachant le 30 décembre à 23h59, sans dépassement, il y a une seconde, il faut bel et bien qu'il y ait des élections en République démocratique du Congo pour éviter d'énerver la Constitution, précisément à son article 64. Bon, il faut préciser que le camarade secrétaire général avait convoqué la réunion d'aujourd'hui. Et d'aucuns ignorent que nous sommes dans une période préélectorale et que c'était quand même important que le secrétaire général convoque ses disciples que nous sommes pour discuter sur cette question, pourquoi pas d'autres questions qui concernent les partis et surtout son évolution en termes de son implantation sur toute l'éternité du territoire de la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes de la position de pouvoir encourager la population congolaise de s'enrôler massivement parce que notre parti étant jeune ne peut pas travailler sur la stratégie de la chaise vide. C'est comme ça que nous invitons toute la population et surtout celle de Mabasse de Chabunda de s'enrôler massivement parce que en 2023, les élections auront bel et bien lieu. Dans l'hypothèse où il n'y aura pas les élections, c'est l'article 64 de la Constitution qui doit s'appliquer. Oui, la position de Passa est claire. Elle est claire plus que l'eau de la roche. C'est celle de s'enrôler et de participer aux élections. Sans élection en 2023, c'est sans un président de la République en 2023. Bon, ici, il était question de nous affûter vraiment les armes. Kobongisa pena oyo ezali ba enjeu pour que et permettre Bisoto affronter ba élection en 2023. Bon, message nako pesa bango ezali que babonga mapote tout ça la politique autrement. Vraiment, nous devons changer beaucoup de choses et il faut vraiment ba se préparer ya osala makambo malamu. Non pas pour na ba polo ou autre chose ba ko proposer bango mais plutôt pour na ba valeur etali mboka na biso ba politiciens ya ba mal intentionné ya ba soifé bino ba tubo mesala koko sa population na ba 5000 francs ba t-shirt ba t-shirt pe bino ko ndenge na ndenge boye ba que tour oyo mo me cotiselo place na bino ezali susuté parce que passa déjà sali mo salaire ko la musa population Oyo bako sama kitango molayi na ba discours na bino ya mutuna sema kololikolo. Oya ko tsatembe akomona yango 40 députés nationaux na parlement, 25 députés provinciaux na assemblée provinciale na mandé zali ko ya vivra vera. Boyebela potango e komi ya pasa. Ma mission TV, le miroir du monde.